Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser le tour de magie de la carte disparue. Donc tout d'abord, il vous faut un paquet de 54 cartes. Vous avez demandé au spectateur de choisir une carte au hasard dans le paquet. Il va la passer au-dessus. Et vous allez lui demander de souffler sur le paquet. Et quand vous allez prendre la carte du dessus, qu'est-ce qui va se passer? La carte aura disparu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous apprendre, ne vous inquiétez pas. Donc, la carte, elle est bien là, en fait, effectivement. Donc, vous demandez au spectateur de choisir une carte. Il la prend dans le paquet. Vous la posez sur le dessus. Donc là, je vais le mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Qu'est-ce que je fais quand je prends sa carte? Je tire celle du bas, et je mets la sienne, pour donner l'illusion que je prends celle du dessus. Par contre, quand je tourne, on voit que celle-là. Donc, il faut un peu de technique, pour pas que les cartes, quand on les sorte, elles arrivent comme ça, n'importe comment. C'est un tour qu'il faut réviser, mais qui est assez impressionnant. Voilà, vous savez réaliser le tour de magie de la carte disparue.